Voilà, salam alaikum. Je suis allé à l'Akre, 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 avec la situation actuelle du pays et l'évolution du pays. Je pense que c'est son devoir le minimum en tant que Sénégalais pour remettre les dans la situation. On doit tout s'arrêter à la vie. Je pense que le faut dire le minimum à Rosselou, un petit. Également, le point de vue que nous avons partagé. Le japonais, c'est quelque chose de très important, mais demain, dès que j'ai arrêté un balou ache, qui est un balou ache, un balou ache, alors, je voudrais aujourd'hui rebondir parce que quelques Sénégalais, soit nous faisons à travers les réseaux sociaux, ou alors nous avons des détails, nous avons des cercles avec ces nids, ou alors nous avons des cercles avec ces mots, ou alors nous avons des cercles avec des groupes de Montenegro. Les événements qui se passent dans ce pays. On a vraiment une interpellation avant. Il y a quelque chose de collectif. On a en fait une interpellation d'abord individuelle. Une responsabilité individuelle avant d'être collective. Situation citoyen sénégalais. Vous avez alors, ce que je voudrais dire, moi, la situation actuelle du pays, je voudrais faire toute une petite analyse avant de vraiment tous les faits généraux que j'ai tirés. Je voudrais indiquer tout en fait le contexte des pays africains. Où est-ce que nous il y a une relation avec Amon à Toubac. Nous avons installé un climat d'oppression. Nous avons un nord. Nous avons un souffle. Nous avons un allure. Installé l'injustice. Installé les inégalités sociales. Confisquer ses terres. Exploiter ses nids. Exploiter et tout. Pays africains, yop. Il faut que les gens c'est le crime le plus ignoble, le crime le plus terrible. Je sais que les gens ne sont pas connus pour nous. Si nous avons des amis, des taxaway ak nakhar, je sais que nous avons des gens qui ont des joyeux. Si nous avons des ancêtres, des rères, lolu luñu wessu la waratul nek luñuy dund mais est-ce que l'évolution de la vie quotidienne des africains c'est-à-dire que ni dom ni ku ñul afrique di dundé sénégalais ni muy dundé ak la situation actuelle nga xamanteni en 2020 mom luñuy dund est-ce que tay ñun en tant que des sénégalais des africains des hommes noirs Djadoul nous fait évaluation par rapport aujourd'hui le contexte qui a prévalu lors de la colonisation et le contexte qui prévaut aujourd'hui par rapport à notre indépendance. Ça nous interpelle. C'est une responsabilité pour Hamadine. Épargne-t-il aucun Africain, épargne-t-il Ben Sénégalais. Que tu sois
d'une mouvance quelconque, c'est une responsabilité qui s'adresse directement à toi. Est-ce qu'en réalité aujourd'hui, cette liberté-là, c'est une membre d'homme pour des frères, ces inégalités sociales, cette oppression, cette privation, cette domination des uns vis-à-vis des autres, est-ce qu'en réalité, nous ne pouvons pas dire au simple? Je pense que, aujourd'hui, l'homme noir ne cesse de souffrir. Et vous, beaucoup de qui dans nos compétitions, elle est d'une dimension universelle, mondiale. Nous avons un continent raciste pour intervenir. Le moment. On nous assimile à des sujets. On nous assimile à des sujets. Est-ce que la réponse, moi, de tort de dénoncer, est-ce que la réponse, moi, de tort de lamenter ou est-ce que ce sont des questions, nous avons des éléments de réponse. Nous posons que nous avons des états de droit, nous avons des peuples assujettis au principe du droit, nous avons des peuples où le citoyen. Bon maintenant, si vous voyez, ils sont égaux devant la loi. Je pense que l'autre moment est une colonisation. Moi, une autre là, quand je sais, quand je sais, je lève. Hein? L'homme, je suis là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les pays africains nous jouent sur l'eau. Et faut que là, il y a un baram. L'importance du leader, la portée du leader, la grandeur du leader, la vision du leader, cet Africain-là capable aujourd'hui de renverser toute une situation et de faire renaître un nouvel espoir. Mohamed Elini, les peuples africains seront libérés. C'est-à-dire que de nous respecter, de nous yé. Parce que le respect, on ne l'impose pas, mais on inspire le respect. Tu es libre de ne pas me respecter. Mais je ne te donne jamais l'opportunité également de me manquer du respect. Et si c'est cette posture-là, nous devons adopter en tant que des Africains. Moi, inspirer le respect devant qui que ce soit, devant qui que ce soit et devant l'opinion internationale. Donc c'est par rapport à notre capacité de pouvoir quand même nous prendre en charge et de faire preuve de développement. Dans le contexte, nous devons nous faire un peu. Kon moy taxaw set lan lañ wara rêver ñu wara rêver d'un pays qui fait preuve d'intégrité le principe du droit d'un pays qui fait preuve de droiture d'un pays qui fait preuve vraiment d'une communion, d'un mouvement d'ensemble, de partage de préoccupations. Lolo, moi, c'est des combattants de l'injustice. C'est des gens préoccupés par le devenir. Il y a un leader qui a rapporté l'eau. Mais c'est des leaders qui ont rapporté l'eau. Cette ambition première, moi, nous demandons à Scambi, Tchakanam, mais pas nous les demandons, c'est un bon Tchakanam. Et je pense que le loup, le Fambeline, nous pouvons tout ranquer sur le continent africain. C'est-à-dire que les gens s'organisent pour aller vers la conquête du pouvoir. Au lieu de se mettre au service du peuple, maintenant ils se mettent à leur propre service. Avec nous, tant que nous sommes posture bon, nous nous assimiler à une nous ne pouvons pas nous faire un peu de nous matérialiser cette ambition. Et, il faut que nous
ku nek gis na tay jamono yi ni rew mi taw ni bare ci ay scandale mais dem bo teglo ba ci yag mais tu te poses la question est-ce qu'en réalité li est-ce que deug lo quoi et j'en profite personnellement avec tout le respect que je vous au président Barry. Vraiment en des termes tout à fait appropriés et dans une discipline tout à fait parfaite, matérialisée, vraiment de la conduite la plus juste possible, la posture la plus réelle pour m'adresser à lui, parce que sous mon compte, entourage, j'ai l'opportunité de lui parler. Moi, il faut que le président, il faut que vous repreniez le contrôle de ce pays-là. C'est une lourde responsabilité. Et je dis, on ne peut pas aujourd'hui laisser des gens. Parce que sous le prétexte que de nous and ak yow, ou sous le prétexte que de nous bok ak yow, ou sous le prétexte que de nous nek ci yenn posture, qu'ils peuvent se permettre certains comportements. Deug la wala du deug, mais il est important à l'heure actuelle de l'évolution de la situation que tout bon Sénégalais soit édifié par rapport à la véracité de ces faits. L'occupation du littoral. Non, je pense que amul lu ko gëna wër ci jangale bo démé ci définition bi gëna élémentaire dañu lay jangal littoral bu lay jangal littoral dañ lan la étendue de pays le long des côtes on te dit que ça appartient au bord de la mer. En tout cas, moi, j'ai la chance de visiter des pays qui ont des espaces littoraux qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Nous avons dit qu'il n'y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un privilège d'avoir un pied dans l'eau. Toute installation ou toute occupation doit avoir un caractère et un intérêt public. Parce que bis buñu ko tejé, il y a des générations qui viendront demain. Yo xamné ils ne se donneront jamais l'opportunité de regarder cela. Et pourtant, c'est un patrimoine national. Je pense que ça. Fofu nak lima fi wax, dégg na ñu ci développer un concept. Buñu wax pied dans l'eau. Non, gaay yéne dañuy rire quoi, leg. Pied dans l'eau amul. Parce que il y a le subhanahu wa ta'ala. Parce que j'aime bien quand même étayer mes pensées par rapport quand même à des prescriptions, par rapport quand même à une croyance, une foi. Mohamed Lini, moi, je soutenir les thèses ou bien l'argument que je développe. Dis-moi, dis-moi les politiciens et youtubeurs. Faut-il développer ou alors vers la conquête du pouvoir? Tu as l'habitude de prendre l'exemple de Fira Aouna et de Moussa. C'est un exemple. Parce que l'autre règle est bonne. On est qui Askana, notre coup domine les, nous sommes les Alors, nous sommes les Souf, nous sommes les L'autre est Kafalek. Mais Moussa, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez démystifier le Souf, quel est Souf, quel est pied dans l'eau, pied sur l'eau, pied près de l'eau, les petits yam. Mon pied sous terre, quel monde est-ce que tu as yag. Tant que tu as dit 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 que tu Yalla rek ko mom ya rishuha ma yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin eh sama ñeñ ni ngeen xam ni suuf yalla ko mom ñaata nit ba ci yow man kër gi ma dëkke ñoko mom faaw nga wacc suuf yalla ko mom suuf bi ci gëna graw nak moy suuf bi nga xamanteni yalla daf ko boole doom adamay
ça ne doit être la propriété de personne. Et c'est ça qui me permet d'interpeller également l'administration de ce pays-là. Pour certains. Et je peux me permettre. Nous avons maintenu, il serait très fortement impliqué. Pour rappeler que la mission de l'administration sénégalaise, l'administration publique, n'est pas une mission de recherche de profit. Dans tous les pays du monde, ni pour choisir d'aller dans opérer administration, tu es le gardien de l'administration. Tu es le gardien du bien du contribuable sénégalais. Tu es le gardien du bien du citoyen sénégalais. Tu es le gardien de tout ce qui se rapporte au patrimoine de ce pays-là. C'est seulement en Afrique, et je pèse bien mes mots, que tu peux voir certains membres de l'administration aujourd'hui déclarer des fortunes ou bien mener une certaine vie pour lui refléter combien ils sont riches. Les gens qui sont dépendants d'une situation salariale. La nuit, moi, ça a une visite pour nous tout autour de Tour Eiffel. Le président de nous faire une description de tous les immeubles qui sont tout autour des eaux de Tour Eiffel. Nous avons vu les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens français. C'est des industriels, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des éléments du secteur privé. Nous avons obligation de préserver le patrimoine de ce pays-là. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que nous menons privilégiés ou menons ben acte bon maintenu. Rien ne peut justifier aujourd'hui le fait d'attribuer des espaces tout autour du littoral à des titres de propriété individuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que ce monsieur-là qui est propriétaire, demain s'il meurt, il laissera cet héritage-là à sa famille. Alors que c'est un patrimoine qui appartient au Sénégal. Je peux me permettre de faire cette même analyse-là vis-à-vis de certains patrimoines autres que les espaces littoraux. Le palais de la République ne sera la propriété de personne. Immeuble le Boham, il a eu midi, qui n'est que président, moi je l'ai donné. C'est sacré. On doit tout le temps le préserver. Et je pense que quand même, le président de la République, avec toute cette volonté que vous manifestez, et je le prouve, je estime que vous avez la volonté aujourd'hui de faire émerger ce pays-là. Mais il y a des actes qui ont maintenu, hey, si nous corrigez où l'eau fumante liguée, l'île de l'envers. Moi-même, moi, le rétablissement du droit et le contrôle. Comment des Sénégalais peuvent-ils se permettre de s'enrichir? Parce que tout simplement, dans nos postures, moi, les communs. Mais ça crée des inégalités sociales. Un pays où l'injustice règne, les inégalités sociales, le favoritisme, la partialité. Je te dis que ce pays-là, il est sous une menace. Parce que nous avons dit, ça va tôt ou tard dégénérer ce qu'on a maintenu. Je pense que quelqu'un qui est dirigeant, aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit. C'est pour cela que, il faut que nous ayons un repère. Il faut que nous ayons un gum-gum. En quoi consiste notre foi et notre croyance? Mais le monde, il est finissant. Tu es 85 ans, 90 ans, tu ne peux plus, tu ne peux plus. Mon frère, ce sont des décrets que tu as dit, tu ne peux plus contrôler quelqu'un qui a dit. Tu ne peux plus d'affin. Si je suis allé à d'affin, je suis allé à la d'affin, je suis allé à la maison d'affin, je suis allé à la maison d'affin, je suis allé. Lolu kenn mënu ci dindi kenn ko mën ci né yalla néna ma la bind nga nek lu touti lompoñ mëno dara ma sol la katam buma la solé katam ba paré dina la yob nga niw sa katam
C'est un processus irréversible. Personne n'a pu le commander. Waman nu amirhu nuna kisbu fi alqalq afala taqilun yalla neena kep kuma may fam ngud ma nga yag ci ndewul sa katam mu melni ni ñun dom adamay muy man amat commencer par moi ak kenen nga japp ni ne yow da nga sax ci ko suuf mom la jaral lepp lo xamanteni ni tay alali aduna moko jaral dafa am lo xamni ñun ñepp ko bok ñun ñepp bok des koy sam. Et de cela, de ce point de vue, c'est une responsabilité et une interpellation qui s'adresse directement au président de la République. Parce que yonent yi ba ñu démé ba ñu gis na leen askan yi ñen yi yalla mu ngi leen di mbugal di leen di tek ay natou yu metti dañu né waaw yalla ñu tax ngay mbugal askan yi alors que ñi lañu warone liguey war ko wax war ko dox sen digënté ak askan bi. Les prophètes, quand ils ont été interpellés par rapport quand même à cette situation là, j'ai la responsabilité dañu maqziratan ila rabbikum. Nous dégageons notre responsabilité devant notre Seigneur. Liñ warone def nañ ko def. Le président de la République a deux niveaux de, voire même trois niveaux de responsabilité. Trois. Sa responsabilité qui le concerne, bu ko concerne mom en tant que président nit ku yalla bind muy digënté mak borom lolu mom la ko fait amul kenn mais mu am nak benen responsabilité bo xamanteni yalla da ko gatch ci kaw muy digënté mak ci yalla da koy laaj yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam setal une mission toll nga xol famu toll ci kanamu suñu borom yalla dañ ko jak nako ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam buñu la joxon kep kim tan ci aduna ak téré yi nek ci aduna yépp gis nga ñi seen wote yi ak seen tiaxan yi ak seen ñak deggu yi ak seen ñak atté nit ñi ci deug ak ñak gëm yalla geek lepp buñu la ko joxon lepp ci aduna. ولئن آتيت أوتو الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك دونمك وما أنت بتابع حبلتهم يومين دو طب مكسين من ما جزنا آية مفهومي جاهر وإن فعلت وقل دفين وإن فعلت إذن innaka lamina zalimin buñu la joxone manam ci seni passion ci seni bëgg bëgg ci seni dox dox ci seni dëng seni lepp bis bo leen ci topor yow yaay gëna nek ku gëna dëng ku nek innaka izan min zalimin dirigeant fofu leen top à un certain moment da ngay xol ni mission aujourd'hui Macky Sall kene ndobot wallahi ñi mu jour c'est biologique mais ndobotam tay moy sénégal watax tous les grands hommes da nga leen di dégg ñu leen amuñu doom c'est par rapport à la mission c'est par rapport à au degré de responsabilité c'est par rapport à la charge bi nga xamné mom moy pèse ci ñom nga wara litenti lu 16 millions de sénégalais ñu wara tirer le bilan no leen tay non len atté non len yoré non len cédé l'eau ala di ñu ko téyé c'est une lourde koku ku am yermandi ci mom ben ko yéne mu am réussite mais dafa am posture bu koy may moy lan les leviers yi mëna permettre ce pays là mu mëna taxaw ci fondamentaux yu ko mëna permettre tay ñu nek dans une stabilité parfaite xamni ni réew mi ci yoon lay dox ko no wa mi na bil qat ci ada li bëri ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين وان يكن قديا او فقيرا فله اولى بهما يالا مين دا نغي نيك ريو مو خامتيني تي دغ نغي دي اتي اك لولا نيت كي مانا جيغي جيغي مو خام كو ريس مو خام كو مو كو امو دار nous devons être un peuple assujetti au principe du droit quel et j'ai bien aimé son slogan la partie avant le parti la patrie avant le parti
C'est vous le président de la République. Vous devez aujourd'hui peser de toute votre influence, de toute votre responsabilité, de toute votre charge. Que Tarangabanya Wetcho, c'est dégain de Saborom, acte des gens qui ont été intéressés, mais comment se faire de l'argent? Parce que dans ce pays-là, quand même, il est temps que nous voyons. Mais quel est le monde qui mais Alain dit, fan de Dieu. Alain dit, et à quelle fin? Mais ils étaient réputés comme étant des milliardaires. Et Amélie, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous sauf Yallah comme homme. Un pays sous-développé qui fait face à des enjeux énormes. Nous avons des défis de santé. Le Covid nous a édifiés. Par rapport à des difficultés, le Covid nous a fait l'exposer de notre climat social. Notre environnement, nos infrastructures, notre économie. Mais tout ceci, j'estime que le luxe est nous. C'est que nous nous permettre de relever nos défis. Damien, j'ai honte. Quand j'entends certains journalistes faire des révélations que l'émission de Maïmouna Ndour, je ne sais pas, excusez-moi de citer, j'ai suivi son émission avec Thierry Eric, qui dit que même Gaïe Bouni Sat, mais nous sommes Sarbaïd. Sat, comment l'individu peut-il se dégrader à ce niveau-là? Tu ne trouves rien à faire que de prendre ce qui ne t'appartient pas. Ah, mon tac l'ennemi, dans certains pays, les gens ne seront jamais d'accord pour que Sharia d'Afa, Al-Sarikou, ou Al-Sarikou, Fakato, oh, Aïdiouma. Ah, il y a le monde, Satimom, l'air, tu vois, sa sentence, mon, moi, Satim. Mon, il y a l'air, non. Amour, dans le voir. Oui, on a un diplôme. Cadre là. Nangam là. Mais il est responsable, Nangam. Maïli, mais tu ne trouves rien à faire que yo, à l'aide de Dinga Hamantini, yo, Yako a préservé, Yako a qui? Non, tu ne l'as pas dit. Oh! Là, il y a des gens qui ont été dégradés pour moi. Mashallah! Nous avons un bien mené. Et tu l'as le plan de l'Indi? Moi, je suis un peu plus de temps. Non, je ne sais quoi. Voilà. Ah! Attends, ma tante, bye. Parce que yow man tuk di hole fi hi ilen ye su mo do fa kulu nafin ma hum la yusul mon ak ma ta baye xal chaque jour ñi ngi dem programme ci armée li chaque jour di fa nit ñi di len dejj amu ci kenn ci stylo parce que yalla subhanahu wa ta'ala dafa ne in kullu man fi samawati wal ardi ila ati rahman abda wala haqsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm qiyamati fadda ko man ci do parce que devant décret bo xamanteni su an wa taala daf ko décrété bo nok dafa ni bakkan bu mos tour nga mos dé comment tu donne parce que lolu daf ko wax yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te ku nek xamna ni way ku dem makka ba fekk ko fo fañ ko dent nga xamna ni aduna jaratul dara mo xamanteni ni million aduna yépp dañuy dog wutaliko ani mu ma nga ci pire souf. Il faut que nous soyons les passagers qui ont été en train de se faire. Il faut que nous soyons tous les gens qui ont été en train de se faire. Il faut que nous soyons tous les gens qui ont été en train de se faire. Est-ce que nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire? Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire.
Comment est-ce que nous devons vivre? Quel est notre niveau de responsabilité par rapport à ce qui nous appartient? Ce qui appartient à ce peuple-là? Le Sénégal est un pays. Yalla da ko bénir. Nous avons des dons, nous avons des profils, nous voilà, nous sommes des terres. Nous sommes des gens cette année, nous sommes des gens quoi. Cette course vers la fortune, cette course vers. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Moi, je suis un peu de temps. Moi, je suis un peu de temps. Moi, je suis un peu de temps. 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 والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربي خير شباب لا مير دي ريكومبانس موي ديف تو باخ دي ناي ديف في كوم هاتيو تي ابي فيفر سي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم مي الى ريفيلي دافون تول مون كي ني سوما خامون لو نغ موي اوبل تي ادونا مي خامغا فان لا ريبوزي سا ميسيون لولو وارال تي 14 سيكل اك ليغي تي vision bi mu porté té bon ko do ko tambali danaka djourum ñaari ni top ko tay ñi dem ba ni julit yegg nañ ci 2 milliards de musulmans lolu moy vision on tax les grandes œuvres les grandes actions elles demeurent éternelles wal baqiyatu llahi khayrun lakum in kuntum mu'minin def ju bax day sax moy li indi l'éternité. Ce pays, nous avons les possibilités de le faire. Mais à quelle fin? Bonne guerre, mais nous avons amti cette couche de population qui a souffert. Bonne taille, nous avons amti les défis qui ont été encore relevés. D'autres ne cherchent qu'à rien faire que le groupe s'en intérêt bon. Et tu plonges dans un luxe insolent. On t'a bien dit, ñaari at lay dund parce que talé yoko wara supporter amoko. Si tu as les possibilités d'aller te faire soigner en Europe autour de toi, toute ta famille, aujourd'hui vous demeurez dans les structures sanitaires, elle trouve toutes les difficultés du monde pour se prendre correctement en charge. Dans certaines localités, les gens ont des difficultés pour avoir de l'eau potable. Dans d'autres localités, les gens n'ont pas accès à l'électricité. La pauvreté sévit et s'empare. Il demeure de plus en plus une réalité dans ce pays-là. On n'en parle pas. Nous n'avons même pas le droit, nous, c'est à dire c'est à dire football, c'est à dire l'élève. Ce qui nous doit aujourd'hui, c'est de nous mobiliser autour d'un idéal pour quand même relever ce défi-là. Regardez ces scandales avec ces contrats. Un pays, tout est importé. Tout. Vous allez dans le domaine de la santé, c'est le même problème. Dans le domaine de l'énergie, c'est le même problème. Dans le domaine de l'agriculture, l'alimentaire, c'est le même problème. Alors que nous avons des fils et dons, nous avons dit, voilà, il y a une manière de préparer. Aujourd'hui, c'est peut-être par là que je vais terminer pour dire le défi des recherches scientifiques. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais un continent, vous pouvez relever et renforcer les tendances, mais il faut nécessairement que nous liguions sur les recherches scientifiques. Comment peut-on avoir des professeurs, d'éminents professeurs, mais exceller dans des domaines, exceller dans des spécialisations. Nous avons maintenu aujourd'hui, nous dévaluer l'enti, restreindre l'en, suscrire l'en, qui est une activité pour ramener des moyens, il n'intéresse qu'à aller dispenser des cours et venir. Mais l'Afrique, on privilégie l'acteur politique. Je suis député, je suis ministre, je suis membre d'un conseil, je suis. On met à ta disposition un véhicule, un salaire qui défie tous les soupçons. On te met à l'abri, tu circules avec un laissez-passer. Hein? Tu as un passeport diplomatique, tu voyages comme tu veux, tu fais le tour du monde. Tout. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire l'évaluation de l'impact de cet acteur politique par rapport à certains problèmes qui se posent dans ce pays-là? Et pourtant, si la population est malade, cet acteur politique-là a monté dans l'outil malade. Qui sont les professionnels? Ils sont laissés en rade. Vraiment, je ne pouvais pas m'empêcher. Mais
Je suis en train de faire des choses. Je suis en Mais de lancer un dernier appel en direction des cadres de ce pays-là. Que Amel Nenoukel a. Ils n'ont pas, les gens n'ont pas pour mission de s'enrichir. Ils ont pour mission de préserver le patrimoine de ce pays-là. Lolo, qu'est-ce que vous voulez faire? Ne pouvez pas l'administration. Donc on va changer cette option que vous voulez faire. Même nous qui évoluons dans le secteur privé, nous avons des difficultés. Parce que si tu réalises un chiffre d'affaires, dont tu es, mon compte 100 millions, 100 millions, je vais vous donner 20 millions, je vais vous donner. Et qu'est-ce que tu fais des charges de fonctionnement? Qu'est-ce que tu fais de tes marchandises? Qu'est-ce que tu fais de tes équipes? Qu'est-ce que tu fais de tes engagements vis-à-vis de l'État? Qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de? Dans ce contexte actuel de ce pays-là, comment des gens... Parce que tout simplement, tu évolues dans le secteur public. Et réclamer une fortune au vu aussi de tout le monde. Non, ce pays ne va pas se mettre. Tant qu'on n'adopte pas ces postes, se développer eux-mêmes, mais les pays ne vont pas se développer. Ne nous sait pas relativiser sur nos comportements. Ne nous sait pas amad khamine abdou no sakou dañu fi ñeu pour mission. Et la meilleure des missions, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres. Mon âme jeuf tout bas di ngay taxawé ci ko souf. Donc je pense que c'est ce qui sont autour de ce président là. Et pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce que cette situation aussi ne peut pas perdurer. On vient tout juste d'élire le président Macky Sall pour 4 ans. Nous avons 4 ans encore devant nous. Est-ce que c'est dans cette crise-là, dans cette même situation-là, c'est dans cette même évolution-là que nous allons vivre ces 4 ans-là durant? Je ne pense pas. Parce que c'est l'occasion pour lui de se rendre compte de la situation réelle du pays. Il n'est jamais trop tard. C'est le moment de reprendre le contrôle de ce pays-là. C'est ma conviction. Et je pense que je vais devoir partager avec vous chaque fois qu'il est question de mener des réflexions de ramener de la situation actuelle. Je pense que par rapport également aussi à certaines accusations allant en direction c'est un chef religieux. Pour que nous aussi, nous ayons une mission spirituelle. Eux aussi, ta femme solo. C'est référence à nous, Kredef. Vraiment, on est désiré. Et de qui djébolo. C'est de la meilleure des façons que j'ai essayé de partager mes convictions. Et d'une balle. Assalamu alaikum. Oh.